Zangonyam. Magie. Tiens, le moment que tu as goûté là. Je dis pas, donc, quand tu parles chaque jour, tu comprends pas. On te donne plus choix, petit, ouais, comme ça. Tu fais quoi avec hey. Soit tu choix pour le moment, tu vas dire quoi. Mais on est encore là-bas. On parle, tu fermes ta bouche. Tu fermes ta bouche. Moi, même sur le petit ciel. Hey. Donc, quand on va agresser là, tu vois, t'es le bonbon, tu vois, tu vois les enfants. Non, le tina, c'est au rendez-vous avec mon inodé, chum, notre dé, non, notre tine. Il voit le bonbon, il prend pas. Le bonbon, il est un enfant. Tu n'as pas honte. Enfant de vrai tine. Donc, il fait soit tu choix pour le bonbon, tu vas expliquer quoi. Quoi, le kéké, tu peux quand même la ferraille, ça c'est le fer, ça te donne le tétanos, tu peux avoir ça. Moi non, monsieur, donc on te parle depuis que tu comptes, passe ici, dis donc. Passe ici, le fer, mon frère, ça c'est la ferraille, ça va être là. Mais dis-moi, ça te donne le tétanos, fais un tour. Tu peux pas me faire. Passe comme ça, Ango, dis donc. Passe comme ça, Ango. Voilà. Je fais fort. Je fais fort. Je dois faire des boules. Trois boules. Meuf. Oh, coquille. Je fais tout ce qui est jaune. Ah, putain. Action. Ah. Que cabo ballon le coquet avec la patate. Je sais que je vais commencer par où? Le taron, le coquet, la peau. Bumbo. La peau. Des peaux. T'as cru? C'est le PDG des touristes. T'as cru? Le patron des touristes. Non, faux. C'est moi. T'es capable de faire quoi, beaucoup que tu as. J'arrive. Quelqu'un peut toquer comme ça qu'il est en train de mourir. On peut voir que j'arrive. J'arrive ou quoi que tu as. Tu fais quoi dedans? J'arrive, ne faux. Il t'appelle-tu avec qui? Je viens. Ah! Il ne faut, j'arrive. Ne me traîne pas aussi comme un enfant. Dis-tu, j'arrive, on est dessus, debout, t'es dans la porte. Si je suis une personnalité, t'appelles-tu, j'arrive, c'est quoi? J'arrive. Ah. Je venais comme ça t'expliquer ce que j'ai eu hier comme situation. Je suis allé rendre visite à Maître Photo.
J'arrive, je trouve que sa femme a fait le couscous et la sauce était encore en préparation. Entre temps, elle écrasait les bougossons, les condiments. J'ai tapé 4 bouts de couscous avec le piment qu'on écrase sur la marmite. Peut-être c'est les mêmes relations qui m'appellent comme ça. Rappelez, je suis en réunion. Non, je suis en réunion, pardon. Je vous reviens. J'ai compté 4 boules de couscous avec le piment qu'on écrase sur la pierre. Comme je sors là, je vois qu'on a installé les chaises blanches, comme que y est. Ça peut être un événement, comme tu connais déjà. Ça peut être un événement, je t'assure, comme le Dieu de quelqu'un ne dort jamais. J'entre là, je trouve la table noire que quelqu'un fait à l'anniversaire. Qu'on a préparé, tu regardes la table comme ça, tu te rajoutes. Mon ventre, avec les 4 bouts de couscous, j'ai regretté toute ma vie. Comment j'ai réussi à manger 4 bouts de couscous avec le piment qu'on écrase sur la pierre? J'ai provoqué les vomissements pour attaquer la bonne nourriture. Ça n'a pas pris. J'ai demandé le purge même aux voisines pour faire une purge spéciale pour vider tout ce que j'avais comme connerie dans le ventre et m'en prendre aux bonnes nourritures. Je t'assure, je n'ai rien eu. Et je suis sorti de là. J'ai pris un seul verre de vin. Oh, je sens ta maison si c'est au parfum de quoi. Tellement tu prépares ici que toute ta maison parfume que l'odeur de la nourriture. Rien, jamais, mon frère. Nga, depuis le matin, j'ai dit que mon zimbrette, rien. Cabret, je suis spécialiste de la consommation. Même s'il y a quoi, tu peux avoir fait, tu as pris 3 jours et te dire que ici, le râpé est passé par là. Le couscous de lait est passé par là. C'est mon travail, non, café. Fouille la maison. Comment tu dis que je fouille la maison? Fouille, comme il n'y a rien. Je sens l'odeur de la nourriture, non, Cabrel? Depuis quand tu es hanté par l'esprit de la chicheté? Il n'y a rien. C'est vivre ensemble qu'on réclame au Cameroun. Tout ça passe par la consommation. En effet, comme il te dit là, il n'y a rien. C'est chaud. Et tu as une mine bizarre comme si je suis venu hanter ta maison. Bon, j'étais hier rendu visite et nuit. En dehors de te procurer la joie qu'on échange comme on a l'habitude. C'est moi qui t'ai fait purger la voisine, Caprel. La voisine que tu purges là, c'est moi qui ai managé. Donc en dehors d'être le patron des théories, je suis ton manager de la consommation. Consommation pistachique. C'est bon, y'a rien. Je te jure. La chaleur de doigt là, c'est... C'est chaud. Tu avais soif, hein? Voilà, c'est devenu la magie. Quand c'est pas la chaleur, c'est la pluie. Quand c'est pas la pluie, c'est les inondations. Cabrel, je dis que je sens l'odeur de quelque chose. Ça? Tu vois les traces de la sauce jaune là? C'est le remède de la typhoïde. C'est le remède de la typhoïde. Tu vois, depuis que je transpire, je souffre. Pour finir, tu me rejoins. Hein? Je t'ai déjà dit qu'il n'y a rien qui soigne comme le remède traditionnel. Et c'est moi qui t'ai dit que, Caprel, comme ton poids devient extravagant, il te faut consommer tout ce qui est naturel. Hein? L'herbe, c'est la seule chose qui peut sauver les Africains. Fais-moi-même juste tester une gorgée. Est-ce que tu es malade? Cabrel, tu crois que ma fatigue, par moment, tu veux manger, c'est comme si tu perdais l'appétit là. Tu crois que ça peut être quoi? Tu as quoi? Par moment, c'est comme si je n'ai pas mon appétit à 100%. Le pistache que je tapais, le coquille que tout je tapais, tout ça, je sens que mon appétit a diminué. Il faut normalement, comme j'ai les problèmes, en fait, j'ai les problèmes sur le rein. C'était pour nettoyer mes reins. Comme je. Est-ce que tu sais que je t'ai dit que depuis un certain temps, ma fidélité atteint un certain niveau. Je le compte subitement. Je voyais une femme comme ça pour Amadjanja. Tu me dis, mon cœur tape. Je t'assure que je vois la femme sans caleçon. Même fait. Et c'est où je comprends que peut-être mon histoire des reins, c'est. Par nettoyage, je devais commencer par moi. Parce que toi, au moins, tu es encore dans l'infidélité.
à outrance. Non. Il faut, comme tu vois là, normalement, même ça, c'est pour soigner le diabète. Donc, on m'a fait une composition pour tout. C'est compliqué, très, tu vois, un peu. Le peuple périt faute de connaissance. Moi, je suis conscient que, après tout ce que je fais dans la consommation, je me considère désormais comme un diabétique à outrance. Pour dire que ce n'est plus besoin d'aller qu'on me fait le test de glycémie. Que du moins je vis ça. Tu peux voir mon état. Hein? Mais des fois, on m'a demandé de consommer le remède si matin, midi, soir. J'ai plus le matin, reste pour midi. Toi, tu as la chance de prendre matin, midi, soir. Moi, c'est prendre maintenant et de partir. Je veux prendre le matin, midi, soir, que c'est mon remède. Appelle ta mère, compose ta part de remède, non, des fois. Pourquoi on me compose ça? Il faut que je goûte d'abord, je fais un test partir à toi. C'est compliqué, si quelque chose t'arrive là-bas, on va dire que t'es arrivé. Qu'après, si je meurs tué par toi, c'est que tu es mon propre frère. D'abord, j'ai peur de toi. Avec tout ce qu'on a déjà eu à faire, Cabré, on n'a qu'un problème. On se pousse que j'achète. Et si on a déjà eu un problème un jour, fais-moi juste, si tu ne veux pas que je touche ta bouteille, fais-moi ça. Je peux toucher. Je laisse, parce que je sens que ça a été fait à base des condiments. Fais-moi juste un test. Fais-moi un test. Yeah! Là, d'abord, traverser une cérémonie là. Tu préserves la sauce. Ils viennent de traverser. J'ai vu quelqu'un mettre les tentes. Hein? La sauce est bien faite. Tout le monde voit juste un bon plastique. Est-ce qu'il y a le plastique dans la maison aussi? Tu sais qu'avec ce qu'on appelle biodégradable, ça fait les plastiques ont tari. Même si c'est le petit qui est au mur là. Enlève ce qui est dedans. Je te ramène le tarot dans 5 minutes. Non, il y a mes remèdes dedans. Après, on me les remède, c'est quoi? Entre la nourriture et les remèdes. Même pour manger, pour consommer le remède, on dit toujours manger avant de boire le remède. Il n'y a pas de plastique. Ouais. Go, go, c'est mon mieux, je suis en train de... Il n'y a pas de... Ouais, attends. Capré, tu es devenu un fantôme. Yeah. Après, c'est pour la nourriture qu'on va faire comme ça. Donc, tu as accroché, tu as décidé d'enlever la nourriture dans la marmite et accrocher plutôt au mur, Cabrel. Tu préfères mettre à la disposition des souris que de mettre à la disposition des êtres humains. Yeah! Yeah, yo, choupou. Yo, ma maman, ça, c'est le comportement des termites. Quand on prépare comme ça, c'est gâté, Cabrel. Dieu a testé! Donc je te sais. Laisse, je t'explique. Même pour manger, il faut qu'on parle là-dessus. Parce que ton comportement m'inquiète. Je me dis que peut-être tu as un début d'AVC. Et c'est ça qui te fait te comporter comme ça. Ça peut être que tu as associé plusieurs nourritures et que ton sang n'accepte pas. Oh non, vraiment, depuis quand tu t'en prends au coquet, il est au tarot au même moment. Mais c'est essai. Tu viens servir après, à la je suis un enfant. Rends tout visite aux gens qu'ils ont fini de préparer. Laisse te sais. Non, laisse. Vas-y, mon frère. On discute quoi? Ça, c'est les choses. On discute quoi, Cabrel? Au bout de Chankunam, tu veux me faire quoi? Donne-moi le plat, je me sers. Je suis notable ambulant de l'Ouest. C'est toi, là. Mais c'est moi qui te donne la viande, c'est toi. Donne-moi quelques gouttes d'eau ou de désinfectant. C'est pour faire quoi avec? Pour désinfecter maintenant. Contre le coronavirus, même pas la saleté, parce que si la saleté tuait, avec tout ce qu'on a comme souris à doigts là, c'est qu'on ne vit plus.
C'est quoi là? Tu es venu, tu es l'inspecteur, tu es là pour vérifier ma maison. Cabré, il fait chaud. Vas-y un peu, vite, on gagne en temps. Toi-même, va laver tes mains. Parce que si moi, je me lève là, je ne sais pas ce qui peut se passer. J'attends comme ça, vas-y. Va, t'as pas de boule. C'est toi. C'est combien de boules? C'est pas ton problème, prends une boule. Tu n'as pas le réserve. Je parle de la souris. En langue babelique. J'appelle un poupia. Je parle de la souris. En langue babelique. Tu mets le placer la souris décroche. Je parle de la souris. En langue babelique. Non, laisse le coquille. Je sais à quel moment je vais prendre. Est-ce que tu vas mettre le coquille? Cabelle. Je te sers le tarot. Tu fais toujours les trucs comme si tu étais un camsi. Après avoir mangé le tarot, la seule chose avec quoi on peut digérer, non, ah. verse tout. Tu es malade. Ta tête tient. On empoisonne les gens, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur de la mort, des fois. Ça, c'est pour moi. Et le coquille oublie. Attends. Ça part. Non, ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça. Quand moi-même j'ai, je te donne. Ah. Laisse-moi aller une fois avec tout ça. Ah, toi aussi. Tu exagères, dis donc. Ah, nous, tu sais quoi, tout ce que tu dis que ça va comme ça. Tu connais mon état de santé. Donc, tu veux vivre ta vie et vivre ma part, Cabrel. Ne mettez pas les gens en difficulté jusqu'à ce niveau. Viens, mets-moi la sauce. Maintenant que tu fais que je fais que l'argent. Tu m'as même coupé l'appétit. Le tarot va en contrevenant avec le coquet. Viens, c'est ceux qui fabriquent le truc dans le truc. Si tu vas avoir affaire avec eux, parce que tu caches la nourriture. Mets-moi la sauce. Hey. Mets-moi la sauce, mon type. Ça, c'est quoi? Tu es devenu un renard, Cabrel. Non, sortons. Les gens peuvent encore entrer ici. Là. Sortons, tu manges dehors. Sortons, tu manges dehors. Quand il y a les enfants dehors. Non, sortons, c'est mieux. C'est mieux. Fais chaud. Laisse-moi maintenant pour le bonbon. Tu vas dire quoi? Allez, dormons. Oh, assez. Oh. Regarde, là. Oh. Tu as quoi? Cabrier. Quand tu parles, quand tu parles, venez, tu commences pas. Attends, parce que moi, j'ai peur de vous. C'est quoi? Tu parles quoi? C'est mon quartier ici. Moi, je quoi? Ton quartier fait quoi? Sinon, viens comme ça. Regarde ses cheveux. Viens comme ça. Tu es un bobo. Bobo du ghetto. Regarde ses cheveux. Mais le gars est propre. Tu as porté la bouche. Tu as porté la bouche, petit. Contratrice de Londres qui m'a envoyé ça. Ma mère. Celui qui a la tête comme la nana là. Le gros là. Et défaut, celui qui mange beaucoup là. Oui. Le choriste là. Ils ont les deux, ils ont donné ma passe, c'est ça 10 000. Moi, j'ai vu l'argent plein. Ils ont donné ma passe, c'est seulement 10 000. Mais tu es sérieux. Moi, je connais là où ils sont. Je connais le chef. Ne parle pas comme ça, on arrive là-bas, tu vas bégayer. Si on trouve pas les gens là-bas, tu vas confirmer. Ils sont en train de parler. Tu vois ce qu'elle dit, non? Pourquoi on marche avec le téléphone, les gens marchent avec le téléphone. Lève-toi, non? Lève-toi.
mets là-dedans, c'est parce que je n'étais pas moi-même. Et la sauce jaune que tu vois là, ça purifie le sang. Parce que tu me t'es pas tchoumou. Tout tu me t'as tchoumou. Bonsoir les gars. Comment? C'est comment? Ça va. Sont tes petits. Tu dis comment? On a peur de travail, la chantier. C'est comment? Bon appétit. Tu manges. Il y a tu ramènes toi. Et Dieu, qui a gagné le pari foot ici? Je te pose une question, tu reprends pas. Qui a gagné le pari foot? Chômage, ils font les jeunes parler à les aînés comme si c'était vraiment. Hey, mon petit. Lève-toi. On le plat là. Attends. Laisse ça! On ne sait pas, on ne sait pas, tu comment parler ça vite. Vous êtes en train de faire là ce qu'on appelle trouver d'appétit. Give me a wash. Enlève ta main, tu me donnes. Hein? Qui a gagné le pari? Tu me demandes de pour faire quoi? Tu prends le plat, tu ne commences pas. Viens vous agresser. Lève-toi. Lève ta main. Attendez. Oh. Non, vous aimez qu'on blague. Bon, je parle de vous. Lève-vous. Lève-toi vite. Lève-vous. Assieds-toi ici. Lève-vous. Assieds-toi là-bas. À genoux. Assieds-toi. Assieds-toi. Suis-le. Assieds-toi. Quand t'es pas, on dit à genoux, tu commences pas. Vous comprenez? Lève-toi. Tu te lèves pas. Tu comprends pas l'anglais. Tu ne comprends pas quoi? Viens comme ça. À genoux toi ici. Viens ici comme ça. Mets-toi, on dit à genoux, tu ne commences pas à genoux, toi. Qu'est-ce qui prouve que tu es un agresseur? Qui a gagné le pari foot? Vous aimez trop jouer. Tu veux voir? Qui a gagné le temps? Qui a gagné le pari foot? On te parle, tu commences pas. Assieds-toi ici. Tu sais, vas-y. Tu as parlé au quoi? Qu'est-ce qui prouve que vous êtes gentil? Vous êtes gentil, vous aimez blague. Voilà. Qu'est-ce qui prouve quoi? Voilà. À genoux! C'est mort. À genoux! Je n'ai jamais joué à Dieu hasard. Hein? Je suis d'abord une personnalité de la tradition. C'est-à-dire que tu es Dieu hasard. Oui, donne-moi ta bague là. Ta bague, donne-moi. C'est on a le chop fin chop. La magie, hein? On a le chop fin chop. Le petit doux. Donne-moi le téléphone. Il faut prendre le poids de votre dans la poche. Donnez l'argent, dis donc. Ne nous perdez pas le temps. Donne pas l'argent. Donne l'argent. Quand tu ne pas, tu commences parce qu'on te dit. C'est lui qui a l'argent. Guide les robagons. Donc nous a menti. Donc le pari pour que tu aies. Guide les robagons. Donne. Donne la cotisation de quelqu'un que j'ai pris en route. Donne l'argent là, on te dit que tu parles de cotisation. Qui t'a demandé la cotisation? On parle de cotisation. Donne tout l'argent. Tu as reti là-bas, reti le bijou là. Reti, assez boss. Reti, tu me donnes. C'est Rabatoche qui m'a offert ça. Pardon. C'est Rabatoche qui m'a offert ça, l'ami de petit pays. Tu vas prendre, non? Rabatoche, c'est qui? Enlève. Grand, ça c'est pour les oiseaux. Enlève ça. Les oiseaux. Quand t'es pas, tu. Mes yeux libres, c'est pour la chasse. Venez. Mec. On va te mettre du toxo. Reti la bague là. C'est le grand petit qu'on appelle Cabrera Guino. Donc c'est là. Wait. Bon, vous êtes sorti. Wait. C'est la montre. Il va cacher. Enlève ça vite. C'est pas là. Enlève ça. Enlève ça vite. Où ça va? Enlève. Il faut donner aussi. Tu es tout comme ça. Enlève ça. Allons doucement, ça peut me faire quitter la dent. Que ça quitte même ta main. Rends visite aux gens qu'il ne faut pas rendre. Je sais que les bijoux sont doux sur moi. Arrête. Il y a une dernière chose. Vous savez quoi, les gars? Ils ont donné ce qu'ils pouvaient donner, non? Défaut. On a appris que tu aimes trop manger. Même la nourriture, c'est vrai. Faut plus bien dedans. Tu veux, tiens-moi une fois. Dépose ça, mais tiens-moi une fois. Quand ma nourriture. Quand t'es pas. Avantages, ça c'est l'avantage aussi. Voilà, il dit, essuie-moi tes lames là. Essuie les lames.
Il pleut, c'est la sueur. Quand je voulais vous dire quelque chose. Ferme ta bouche. Il a tout un ami de nourriture fournie. C'est mon ami. Et c'est lui qui a même tout ce qu'on appelle un volant. Je demande de où. Dedans là. Dedans où? Dedans. Il y a l'argent là-bas. Non, non, non. Il y a refait là. Attends. Si j'entre là, même la bouteille à gaz sort, après je dis, ne joue pas avec moi. Ne joue pas avec moi. Si c'est moi qui entre là-dedans, tout ce qu'ils voient là, ils sont avec. Ils sont en train de faire leur travail et faciliter leur tâche. Je peux parler. Parle. Tous les métiers sur cette terre ont les avantages. Si c'est la nourriture mangée. Non, mais c'est notre maman, tu as raison. Mais tu réfléchis bien, le gros. Bien ça, hein? Tu réfléchis très bien, les gars. On part. Une minute. Pas encore. Ça là, c'était une partie, il y a reste. Il y a la nourriture dedans. Il y a la nourriture dedans. Oh. Le blague mal, hein? Là dedans. C'est qui? Vous soyez bien blagué. Il y a la nourriture dedans. Je veux vous mentir, vous gagnez quoi? C'est pour qui? Ne peut-être pas chercher. Si j'entre ta bouteille, le gaz va sortir. Facilite la tâche. Donc ne fais même pas que c'est moi qui entre là. Arrête de bavarder, va chercher. Ouais. Lève-toi, non, on te parle pas. Respecte le travail, va porter, tu sors, tu les remets. Respecte le travail des gens. Lève-toi aussi, tu te lèves. Quand c'est comme ça, vous fouettez. Fouettez. Attendez. Fouettez. Assez, vous faites la tinsari. Il faut fouetter. Il faut le fouetter. On te parle, tu comprends pas. On te parle, tu ne comprends pas. Lève-toi, tu ne peux pas prendre. Lève-toi. Enlève tes conneries là sur moi, mouf. Avance. Lève-moi, gros, ça, ma fille. La danse du nyanton. Je tenais vraiment à vous féliciter, vraiment, mon frère Amdabé. Si tous les agresseurs de ces pays pouvaient se comporter comme vous, vraiment, c'est que c'est de l'innovation. Agresser sans blesser, on ne voit pas le sang. Vraiment, félicitations. Si on pouvait même vous découvrir, on vous appelle comment, s'il vous plaît. Nous, on ne vous félicite pas. Un défaut. Tu les as même dit merci. Faut apprendre à reconnaître la valeur de ce qui est bon. Hein. Tu as compris, non? Tu es malade. Tu es un gros toutou. Tu n'as pas honte de donner la nourriture à quelqu'un et de monter des voyous pour qu'on l'agresse. Je les connais où? Jusqu'à tu félicites un bandit. Ils t'ont blessé. Et dis que c'est l'innovation. Le vol que vous avez entraîné dans ce quartier, ça va vous dépasser. Ça va vous dépasser. Mouf. Quand les bandits étaient là, tu n'as pas fait ça. Mouf. J'ai oublié même mon chapeau. Moi, je suis un feignant. Comme je parle là. Si tu vois mon dos, tu me vois encore un jour. Devant ta peau aussi. Pour simple tarot, j'ai failli risquer ma vie. Et c'est un mauvais type. Je vous dis que comment quelqu'un de responsable peut faire les lors. Moi, sa barbe, Beladin Junior. Connerie ambulant. Infidélité à outrance. Jusqu'à tu tankes la voisine. Ouh, pardon. Un homme normal fait les lors. Hein? Un voyou. Moi, ça barbe comme pour Beladin Junior. Hein? Le vol que vous avez entraîné là, ça va vous dépasser. Ça va vous dépasser. Oh, ma graisse. Oh. 4 ans pour te graguer. Un mois chez tes parents. Ma chérie, tu parles là. Tu parles même de Ndolo. Tu me prends pour un mougou. Un zangnyam. Man,